Et c'est notre devoir, former c'est notre désir. Mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economa nous ce jour, la fintech camerounaise fut retenue pour la troisième édition de Africa Tech Award 2024. Et puis, à l'international, Internet fixe et mobile en Algérie, le nombre d'abonnés est connu. Voilà pour les titres. VivaTech Forum annuel dédié à l'innovation technologique et aux startups a révélé ce 17 avril 2024 la liste des 45 startups africaines sélectionnées pour la troisième édition des Africa Tech Awards. Parmi les compétiteurs retenus figure la fintech camerounaise Futa qui propose à ses clients des solutions de paiement et d'accès au crédit. À l'international, le secteur de Internet fixe a enregistré une croissance impressionnante au cours de l'année 2023 en Algérie. Selon le rapport de l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, le nombre d'abonnés à l'Internet fixe a augmenté de 17,66%, passant de 4,70 millions à 5,53 millions en une année seulement. La Banque Ouest-Africaine de Développement prend part en qualité de partenaire institutionnel au Cyber Africa Forum. L'édition 2024 placée sous le thème « Risques cybernétiques et intelligence artificielle, quelle stratégie de défense face aux nouvelles menaces numériques ?» La société d'assurance et de technologie agricole Pula, basée au Kenya, a clôturé une levée de 20 millions de dollars lors d'un tour de table de série B mené par le gestionnaire mondial d'investissement d'impact Blue Orchard. Un projet qui a également connu la participation de la Société financière internationale. Le gouvernement égyptien annonce à travers un communiqué du ministère du Pétrole le démarrage de la construction de deux centrales solaires pour un investissement total de 1,5 milliard de livres égyptiens, soit 20,60 millions de dollars, financés à travers le programme Soutien à la réforme de la politique énergétique de l'Union européenne. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Economa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.